et nous déclarons ouverte cette université d'été 2015. L'objectif de la journée, que ce soit une journée d'optimisme et d'espérance. Et qui porte mieux l'optimisme et l'espérance que la jeunesse ? Moi, je pense que c'est déjà un thème très pertinent aujourd'hui, puisqu'il faut rapprocher les jeunes de l'entreprise. Les jeunes en entreprise, c'est logiquement le monde de demain, vraiment. C'est un excellent thème, bien sûr, puisqu'on a besoin des jeunes. On a justement cette rage de vaincre qu'ont peut-être un peu moins les plus vieux d'entre nous. Je trouve que c'est un sujet qui est très actuel, qui a besoin d'être développé, qui a besoin d'être discuté. Le thème de la jeunesse, de la relève par la jeunesse, est un thème absolument fondamental. C'est le citoyen qui parle. C'est le citoyen qui parle. L'avenir de le pays, c'est nos jeunes. Et donc forcément, je veux dire, il faut qu'il y ait une forte association entre les seniors, les actifs qui dirigent, et puis les jeunes qui arrivent et qui demandent à jouer le jeu de la société et puis se faire leur place, je veux dire très très simplement, au soleil. Quand on entend que dans un récent sondage, 50% des jeunes disent qu'ils veulent entreprendre, c'est une super nouvelle. Mais je pense que c'est aussi lié au fait que peut-être ils ne trouvent pas leur place dans les structures qui existent et qui ressentent le besoin de créer eux-mêmes. L'éducation nationale, nous aimerions nous asseoir avec eux pour être main dans la main, pour nos gamins, pour régler les problèmes de l'emploi. Je pense que nos jeunes, d'ailleurs, les générations Y, Z, sont beaucoup plus sensibilisés que nous au numérique, aux réseaux sociaux, à l'utilisation d'Internet, à l'innovation. Et l'innovation, ça permet de se différencier et de gagner. Les jeunes prennent la relève, mais c'est dans la logique des choses pour moi. Il est important que des jeunes amènent un souffle nouveau, bousculent un petit peu les codes, le cadre, transgressent les règles, amènent un vent de fraîcheur. Cette journée est un grand succès et on en est bien évidemment ravis. Ça montre aussi l'attachement des chefs d'entreprise à se rencontrer, à échanger, à partager leurs bonnes pratiques, leurs idées, à se connaître. Bonjour. Je suis venue aujourd'hui pour que même plus élargir ma vision des choses ici dans le Nord-Pas-de-Calais. C'est très adapté et je pense que comme principe pour connaître le maximum de personnes en un minimum de temps et pouvoir échanger des cartes et avoir des contacts, je trouve que c'est très bien. J'aurais pas fait mieux et effectivement pour les jeunes, c'est moi qui suis jeune, je valide. Les jeunes prennent la relève, par définition, ils vont prendre la relève. Et je pense qu'il y a une recherche de sens. Et je pense notamment que dans certaines entreprises dites de l'économie sociale, pas toutes, dans certaines entreprises de l'économie sociale, moi je sais qu'ils sont surbookés en demande d'embauche. Pas parce que le salaire il sera pas obligatoirement plus élevé, d'ailleurs ça peut être le même niveau de salaire, mais parce qu'ils ont le sentiment, à juste titre, qu'il y a un sens dans ce que fait l'entreprise. Et je pense que cette recherche de sens est un élément important. J'ai l'impression que nous avons été écoutés, la dizaine de jeunes qui a participé, et qu'on a des gens qui étaient là en attente et réceptifs, et me dire qu'il y a 1000 chefs d'entreprise du Nord, du MEDEF, qui sont venus nous écouter et qui repartent avec peut-être une vision un peu différente. Enfin, j'ai plus peur d'avancer parce que je ne me dirais pas qu'on est tout seul, je me dis qu'on est tous prêts à avancer tous ensemble.